didn't know it was over till it was too late. But if I ever needed you, would you be there? L'atmosphère, les rues. Si on prend Tel Aviv et on la compare à Tokyo ou à tous les endroits où je vais chaque mois et chaque semaine, je peux vous dire qu'elle se place dans le top 3 pour moi. Et en fait, au fil des années, j'aime Tel Aviv plus que tout. Vraiment, c'est plein de vibrations ici. Il y a une énergie qu'il n'y a à aucun autre endroit du monde. Tel Aviv est la ville la plus chaude du monde. C'est fou, la grosse fête, H24. Tout d'un coup, Tel Aviv en est devenu cool aux yeux du monde. Vous savez, tout le monde envoie des reporters pour écrire des grands articles sur le fait que Tel Aviv est l'endroit qui bouge. Alors il faut croire qu'on bouge. Le meilleur houmous du monde. On dit même de plus en plus que Tel Aviv est un pays dans l'état. Parce qu'il est à part à tous les niveaux. Il est à part économiquement, culturellement, c'est là où tout se passe. Si Jérusalem est la capitale religieuse ou spirituelle, alors je pense que Tel Aviv est la capitale culturelle. Tous les clubs et tous les musiciens et tous les producteurs sont à Tel Aviv. Je viens de Eilat, qui est très différente, touristique et très tranquille. Et Tel Aviv est beaucoup plus rapide. J'ai appris à aimer Tel Aviv. Pour Israël, c'est très ouvert d'esprit. Beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'actions, beaucoup de créations et de trucs se passent dans ces petites rues crasseuses. À part New York, peut-être, j'ai jamais vu un truc comme ça. Il y a des quartiers où t'as des religieux, que samedi tout est fermé, t'as des quartiers que c'est jamais fermé, c'est tous des jeunes artistes. La vie nocturne est folle à Tel Aviv. Je n'ai jamais vu aucun mode de vie comme celui-là. La vie nocturne de Tel Aviv, je crois que c'est la meilleure. Elle a une sorte de magie, elle ne dort jamais. Tout le temps, les gens marchent dans les rues, constamment, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et c'est chouette, j'adore. Tel Aviv est la grande ville en Israël. La ville sans pause. Tout se passe à Tel Aviv. C'est comme New York, c'est comme Paris. Ce que j'aime pas, c'est... Il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime pas. Depuis que Tel Aviv est devenue cette ville très très gay, c'est vraiment une destination gay. Tout est très ouvert. Donc d'un côté, on pourrait penser qu'il n'y a plus besoin de Gay Pride. Mais d'un autre côté, il y a toujours besoin de Gay Pride. Il y a 10 ans, quand ça a commencé, on voulait faire ceci ou cela. On devait demander de l'argent auprès de la municipalité, auprès du gouvernement. Mais maintenant, tu as de l'argent de tout le monde. Et tout le monde est pour. Donc soudain, il n'y a plus à se battre. Certains disent, ok, je reste à la maison. C'est tiède maintenant. Donc on doit s'assurer qu'on le recrée vraiment chaque fois, comme une journée fun. Pour moi, venir faire le show de la Gay Pride, c'est très... Il y a beaucoup de fierté là-dedans. C'est très important. C'est une grosse fête. Et la moitié des gens qui y prennent part ne sont pas gays. Ce qui est génial d'ailleurs. C'est très bien. C'est une chose normale à faire et c'est fun, c'est super. Allons-y.
אל תדליק את האור, עכשיו היא בסדר. J'aimerais que la Gay Pride de Tel Aviv soit un peu plus politisée. Je pense que parfois c'est un peu trop une question de fun et pas assez de politique. Donc j'essaye de mettre un peu de politique là-dedans, mais pas trop. Je pense que les gens célèbres ont un grand pouvoir entre leurs mains. On représente le succès, on représente quelque chose de positif aux yeux des gens. Et quand tu fais ton coming out, que tu dis « ouais, je suis gay, j'en suis fier, tout va bien, ma vie est géniale, j'ai du succès, je fais ce dont j'ai envie », alors ils reçoivent de bonnes vibrations. Et quand on est célèbre, on a ce pouvoir entre les mains, et d'une certaine manière, on doit l'utiliser, je crois. Je trouve que j'ai des chansons qui parlent de Tel Aviv et d'Israël, qui les opposent, qui montrent Tel Aviv isolé, et puis Tel Aviv et Israël opposés au monde. Je ne me considère pas comme un artiste politique israélien. Mais je pense qu'on ne peut pas habiter ici et créer quelque chose ici sans être influencé par ce qui se passe, parce que ça fait partie de ta vie et c'est quelque chose avec laquelle tu vis depuis que tu es en âge de penser. J'ai fait trois films majeurs avec Ethan. On aime travailler ensemble, on se comprend bien. Je travaille sur le film dès le scénario. Le film se passe principalement à cet endroit, au centre de la ville, où la plupart d'entre nous habitent. Il faut montrer toute la rue. Il faut que quand les gens verront le film dans 20 ans, ils puissent voir à quoi ressemblait cet endroit. Adaknash est un groupe de funk moderne. La plupart des chansons sont du rap. Il y en a qui ont des mélodies. Si c'est funky, on le fait. Il n'y a pas de paix, les finances sont instables. Il peut y avoir une guerre ou une attaque terroriste n'importe quel jour. Tel Aviv permet d'échapper à ce sentiment de tous les jours. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais je sais qu'à Tel Aviv, on se préoccupe de vivre et moins de ce qui se passe autour de nous.
Adagnash est un groupe assez politique. Pas toutes les chansons, mais il y en a qui ont à voir avec la vie de tous les jours en Israël, y compris les problèmes. On a un clip de 2004 dont les paroles sont composées de phrases qu'on trouve sur des autocollants de pare-choc, des gens de gauche, de droite, religieux, laïcs. Le clip a été élu clip de l'année. Il montre plein de personnages, des stéréotypes israéliens, soldats, éthiopiens, russes, religieux, qui chantent toutes les phrases d'autres personnages. Au départ, c'est comme tout le monde, le vandal, un peu d'adrénaline, des trucs comme ça, les sorties, les murs la nuit surtout. Alors vandalisme, on l'appelle vandalisme, c'est un mot fort. Moi, c'était mettre surtout des couleurs dans les rues, parce que bon, à partir d'un moment, peut-être au départ, on remarque qu'on faisait beaucoup de cochonneries sur les murs, mais au fur et à mesure, bon, on se dit, bon voilà, c'est de la couleur, ça relève, c'est mieux que des taches grises que la mairie efface tout le temps. Et voilà, et après quand on a plus de temps et qu'on doit commencer à faire de l'argent, il faut vivre et tout, alors ben, tu commences à essayer de prendre ce que t'aimes et tu fais quelque chose qui peut te rapporter un peu de fait. On va dire on fait de la construction de sites web, on fait des fresques murales pour des plateaux de télé, pour des marques comme Castro, c'est des marques de sap ici. On donne des cours pour enfants dans le graffiti, dans le dessin, tout ce qu'on peut toucher on fait. T'as un tag ici à toi dans le coin? Non. Moi j'ai fait pas le tag, moi j'ai fait le rond-point. C'est une nouvelle discipline dans les hip-hop. Et ça veut dire le rond-point, ça veut dire que moi je travaille avec des gars, on a un collectif. Dans le collectif il y a des breakers, il y a des danseurs, il y a des graffeurs, et il y a des gars qui peura, des gars qui produisent du son. Et encore une fois, une bande de jeunes qui se connaissent depuis longtemps, qui évoluent ensemble, qui s'entraident, qui bougent justement pour faire monter la scène. Pour essayer un petit peu d'arriver à monter une équipe, pour arriver en force et pouvoir produire des choses intéressantes. Je suis musulman et croyant. Je connais l'islam de l'intérieur parce que je viens d'une famille très religieuse et j'y crois. Comme quoi, vous avez vu qu'Israël, c'est notre image de ce que vous avez l'habitude de voir. C'est pas que des juifs et des arabes. Il y a des blancs, des noirs. Il y a de l'amour, voilà, de l'amour. Comme il faut. Salut, c'est dur à vivre ça en France, de l'amour, les gars. מלמל את החרוזים מהר או לאט כשזמרים אחרים עוד מפיעים ביד אני יושב בבית לבד שר מאושר לא חושב על... Israel is a very controversial, it's a very controversial... Israël est un état très controversé. Quand tu es à l'étranger, en Europe, en France, en Allemagne, tu reçois beaucoup de remarques négatives. Negative feedback from being from Israel, so... Tout ça te fait bouillir le sang et te donne envie de danser encore mieux. Tous les jours, c'est un combat. Tu apprends de jour en jour. Je me sens comme un débutant. Reviens dans 10 ans, 20 ans, je serai terrible. La plupart des soirées se passent à Tel Aviv. Il y a des soirées hip-hop, il y a des soirées trance, il y a des soirées salsa. Mais il y a pas mal de gens qui dansent à salsa ici. Je trouve que les gens commencent plus tôt parce que c'est une danse de couple et qu'ils trouvent ça super sensuel. Donc ils commencent et après c'est où ils aiment ou ils aiment pas, où ils accrochent ou ils accrochent pas. Alors ici la plupart des gens ils pratiquent la portoricaine. Je crois que c'est parce que c'est plus de la frime en fait. Et les gens, ils aiment bien frimer ici.
Tous les 10 ou 15 ans, il y a une nouvelle immigration qui change la société israélienne. Avant, il n'y avait que des communautés de l'Europe de l'Est qui vivaient à côté de la communauté arabe. Puis il y a eu les immigrés marocains, les yéménites, puis les africains de l'Est, l'Éthiopie. Je définirais ma musique comme de la musique israélienne. Pour les gens en dehors d'Israël, c'est de la world music. Mais pour nous, c'est de la musique israélienne. Notre projet est une sorte de projet social parce que nous invitons les minorités à venir jouer avec nous. Et pour la première fois, on peut écouter les minorités à la radio. C'est la première fois qu'on peut entendre à la radio des influences éthiopiennes, marocaines ou du Yémen. On aime mélanger toutes les sortes de musique. On fait du hip-hop, du reggae et du dancehall, mais on écoute aussi du jazz, de la salsa et de la musique israélienne. On essaye de mélanger tout ça sur un fond de musique noire. Comment on travaille ensemble ? On s'assoit avec une bouteille d'arak. C'est comme ça que l'inspiration nous arrive. On s'assoit, on boit et l'on parle de n'importe quoi. On a des textes sociaux, mais on les dit avec de l'humour. On se moque. Il y a un rapport entre ma musique et Tel Aviv. Du fait que, encore une fois, ici on se sent libre de tout faire. La culture pop est plus développée que dans le reste du pays. Tu peux simplement créer, faire ton truc, te faire une place. Je travaille au studio de mon producteur musical, Ori Shorat. C'est un groupe dont j'aime vraiment la musique. Je les estime beaucoup. On est une sorte de tribu dans le studio d'Ori. Would you join me please in welcoming the Tip Team? Il y a 5 ans, tout d'un coup, tout le monde a eu envie de faire du hip-hop. Et il y en avait partout. Mais il jouait beaucoup de merde. Cette vague est finie et ça ne recommence que maintenant. Comme ça devrait être, pas avec un grand boom. Un bon DJ devrait savoir comment juger la foule. Deuxièmement, il doit connaître tout ce qui est question technique. Je crois que mon style de rap est très puissant, plein de couleurs, très merveilleux, très fou. Peled est un des rappeurs les plus incroyables. Il est très original et très puissant. Il est jeune et il est la prochaine génération du hip-hop. En Israël, nous avons beaucoup de cultures. Nous avons des gens de partout sur la terre, comme les États-Unis, mais plus compliqués. Chaque homme qui a survécu et a dit quelque chose avait un message. Comme tu avais oublié de m'ajouter un sucre, donne-moi un peu de douceur dans ce monde étrange et froid. Si je pouvais voler avec des habits si serrés, tout semble tellement clair. Prépare-moi un café en culotte de bikini, et je suis un moustique, et tu es l'Irak, et je suis Bush. Tu es une jeune blonde, et je suis un père divorcé. אני מעביר לכם את המסר טלפתי נותן בראש בדרכי הפרובלמטי
Je me vois comme quelqu'un qui raconte des histoires aux gens, pas qu'avec une guitare acoustique, mais avec tout ce dont je peux utiliser comme instrument. Quelqu'un comme Jacques Brel a une grande influence sur moi. Même si tu ne comprends pas les paroles, tu sais qu'il raconte la vérité de son cœur. Pour moi, c'est la chose la plus importante. J'essaie de trouver ce qui relie les gens, où qu'on aille, et de parler de ces choses-là, et pas de ce qui nous sépare. Les gens peuvent voir ça comme un discours politique, moi je le vois comme un discours humain. On a fondé les Lions of Zion, un des premiers groupes de la nouvelle scène du breakdance en Israël. À partir de là, tout a explosé. Il y a deux ans, tout le monde venait aux soirées hip-hop. Maintenant, il n'y a plus que ceux qui aiment vraiment le hip-hop qui sont restés pour continuer et faire grandir la scène. On joue à la mi-temps des matchs de basket du Maccabi Tel Aviv. C'est incroyable. À la mi-temps, on a eu tout le cours pour faire un spectacle. C'est bien parce que le spectacle a été regardé par tout le monde en Europe. On fait des spectacles dans les écoles pour les gamins, avec un message éducatif contre la violence. On leur dit de prendre leur énergie et de la mettre dans la danse. Le parcours est un sport extrême inventé en France par David Bell. C'est une façon d'aller d'un point A à un point B le plus vite possible et de la façon la plus efficace. C'était une technique de l'armée que David Bell a prise et appliquée à la jungle urbaine. On le pratique dans nombreux endroits à Tel Aviv, comme Jaffa, où il y a beaucoup de bons endroits où le pratiquer. Sauter, grimper. C'est amusant, vous devriez essayer. D'abord, je fais partie d'un groupe qui s'appelle TACT. Moi et Subliminal, on est partenaires. On a inventé le hip-hop israélien. On l'a fait bien avant que les gens d'ici connaissent le hip-hop. Le groupe est composé de 6 rappeurs. Je suis la seule fille qui chante. Je crois qu'on a besoin de plus de filles. On a Guy Boskill de Los Angeles. On a Shy360 de Montréal. J'ai eu la chance de voir un autre monde. Tu vois, j'ai grandi à Montréal, c'est une réalité complètement différente d'Israël. Mon inspiration, c'est la vie en Israël. Il y a beaucoup de guerres, on a beaucoup d'ennemis, mais à Tel Aviv, c'est comme une bulle, parce que ça n'a jamais été touché par quelque chose de mauvais. J'ai été dans l'armée pendant 5 ans et j'ai tout fait, tout vu. D'abord, je suis un soldat, et puis après un rappeur. Tous mes textes sont pour l'armée, pas contre. Je suis un rappeur très politique, un rappeur de droite. Il y a des rappeurs comme Adag Naash qui sont très à gauche, pas pro-Israël. La différence avec le rap français, c'est que le rap français souvent parle contre la France. Ils revendiquent des problèmes, etc., qu'ils ont avec la France. Alors le rap israélien, c'est complètement différent. Ils sont hyper nationalistes. Ils vont toujours dire du bien d'Israël. Sinon, on dit qu'ils sont très sionistes, en fait. Voilà, c'est très pro-Israël, quoi.
La mode est une façon de s'expliquer. Tout le monde sait ce que tu aimes par rapport à ce que tu portes. Tu me regardes et tu sais que je suis un mec hip-hop. J'aime m'organiser pour que tout mon look soit doré et noir. Je ne vais jamais aller sur scène en ayant l'air d'un flemmard, ça jamais. Moi, c'est Sivan, de la famille Tact. Le R&B, c'est mon style, sûr. J'écris de longues histoires. Et chaque fois, le reste de la famille Tact m'aide à faire une chanson. Je suis si contente avec mon album. Ils m'ont aidé à réaliser exactement ce que je voulais. Les choses sont en train d'arriver. Quand je suis arrivée à Tel Aviv, il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient ce genre de musique. Mais maintenant, grâce à Dieu, ça marche. J'étais un des premiers qui a fait un son, qui a joué dans les boîtes en Israël, en hébreu. Un des premiers, sinon le premier. C'est aussi quelque chose qui pousse la culture du hip-hop, parce qu'au niveau au macro, disons, israélien, t'as pas vraiment une culture encore assez forte de hip-hop. Copine à moi, Simi, elle avait l'idée, en fait, de faire une chanson qui est un peu plus positive en français. C'est bien d'avoir, tu vois, d'avoir une perspective, de parler, disons, d'Israël, de Palestine, mais d'avoir quelqu'un qui vit, là. Et j'ai un producteur ici qui travaille avec moi, qui a commencé à travailler la maquette du son. Et là, une fois qu'il y avait le son, alors à Paris, elle a travaillé avec Jimmy, ils ont fait le refrain. Jimmy Sissoko, je l'ai contacté parce que déjà, je trouve que c'est un artiste polyvalent qui peut mettre sa voix dans tous les styles et dans tous les concepts, et ça passe. Je lui ai juste donné les paroles du refrain, je lui ai laissé faire ce qu'il veut, et en deux minutes, c'était dans la poche. Plus de drame, plus de larmes, juste shalom et salam. Imagine un monde où Chitan se désarme. Israël, Palestine, le rabbin, Mouazin. Imagine un monde sans les cris des victimes. Imagine, imagine. Des gens simples, des docteurs, des avocats. Tout le monde se fait faire des tatouages aujourd'hui. Ce n'est pas si mal vu. Les docteurs et les avocats ne les font pas sur les mains. Ils le font quelque part où ça ne se voit pas. ...60% des clientes sont des filles. Les hommes sont des poules mouillées. Les filles sont très fortes. Il faut tout laver avec de l'eau chaude et du savon 3 fois par jour pendant 2 semaines. Il faut mettre de la crème, il ne faut pas se gratter, pas de baignade, ni mer, ni piscine, et pas de sexe. Pas de sexe? Non, je blague. Tal, c'est le meilleur. Il est très léger, très unique. Et en plus, il n'est pas homo. Tal aime les tatouages noirs, les grands tatouages. Ce qui prend longtemps et douloureux. Ça peut prendre 7 séances pour en finir un. Il me dit qu'après 1 heure, il n'en peut plus. Il est très fort, mais il y a des limites. Je fais tout ce qui concerne les médias, les séries télé, les pubs, les clips vidéo, et je donne des cours, tout ce qui a besoin d'être chorégraphié. Je vis pour ça, le sexe, la bouffe et la danse. On dit, la vie est ce que tu décides d'en faire, alors la danse est ce que tu décides d'en faire. «
On essaie de ressentir ce qui vient de la rue, les gens, nos amis, nos associés. Et l'on essaie de ressentir ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. C'est funky, c'est amusant, rock, glam, tout ça ensemble. Quand nous utilisons des images, nous pensons à la musique, aux icônes ou des phrases nostalgiques. Vive le punk, c'est fait pour vous. Sugar Daddy, ça veut dire papa gâteau. Ça a l'air doux, mais en réalité, ce n'est pas si doux que ça. C'est plutôt tordu, exactement comme notre marque. Je m'appelle Daniel. Moi, c'est Joe. Et nous sommes les Audio Junkies. Audio Junkies. Audio Junkies fait surtout de l'électro house. Audio Junkies play. La musique évolue. Ça commence vers 9h quand les gens sont encore en train de discuter, de boire et de manger. Alors on commence avec de l'électro douce et puis on commence à jouer des morceaux plus durs au fur et à mesure que la boîte se remplit. Cette année, le son a été un problème à cause de tous les hôtels. So now we have this alert light, you know, this yellow alert light that it just turns. Maintenant, on a une lumière qui sert à nous avertir quand la musique est trop forte. Ils ont un limiteur de volume. Et si l'on ne baisse pas le volume assez vite, on nous coupe la musique pendant 30 secondes. J'ai créé un nouveau style qui s'appelle trance rock. C'est du rock avec de la trance. Et on y ajoute des paroles pour que ce soit plus intéressant, électronique. Et les gens peuvent se rapper des paroles. Ils peuvent chanter s'ils veulent. J'ai commencé à faire mes propres trucs, à mélanger des styles. Et depuis 2000, mon premier album qui a été un succès mondial, je fais le tour du monde. Nos chansons sont basées sur des associations d'idées. Elles ne sont pas claires, mais abstraites. Si tu lis nos paroles, tu ne vas pas nécessairement comprendre ce que la chanson raconte. C'est comme une peinture surréaliste. Les filles de Tel Aviv, ce sont les plus belles femmes du monde.
Les femmes les plus exceptionnelles sont à Tel Aviv. Toutes les sortes, toutes les couleurs, toutes les formes, il y a tout. Ce sont les plus belles femmes du monde parce qu'elles viennent de partout. On en fait un mixtape et ça donne les plus belles femmes. En Israël, t'as des juifs qui sont blancs, aux yeux bleus. T'as des juifs qui sont complètement noirs, t'as des juifs asiatiques, t'as des juifs nord-africains. Mais ils se marient, ils font des enfants. À part les Caraïbes, j'ai pas vu de plus belles femmes que j'ai vues en Israël. Je les trouve très belles. Je trouve que les Israéliennes sont très libres. Certaines vous diront peut-être même trop. Les plus belles femmes du monde, mais peut-être parce que l'Israélien moyen est si macho, elles sont toujours sur la défensive. Alors même si tu es un gars sympa, elles restent sur la défensive. Il n'y a pas de stratégie, tu sais. Il y a la chance, Dieu et l'alcool. Les filles de Tel Aviv sont folles. Il n'y a rien comme ça dans le monde. Tu dois le voir pour y croire. Il y en a plein à Tel Aviv, partout. T'en vois une et tu dis, c'est la plus belle femme du monde. Et puis juste après, t'en vois une autre. On est en minorité, nous les mecs ici, donc il n'y a pas de quoi se plaindre. Je crois qu'il y a 5 femmes pour un mec, un truc comme ça. Écoute, je suis allé partout dans le monde et j'ai une copine israélienne, alors je crois que ce sont les meilleurs. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous devriez aller à la plage tout de suite. La plage est pleine de belles filles et c'est là qu'il faut être. Cutiman, c'est moi. D'habitude, je commence à créer une chanson avec la batterie. J'enregistre la batterie, je fais un mixage de ça. Et puis je joue là-dessus. Les gens appellent ça psychédélique afro-funk. J'appelle ça ma musique. Les autres peuvent l'appeler comme ils veulent. Pour ce clip vidéo particulier, on a eu une styliste qui nous a habillés tout en vêtements des années 70. C'est comme un film de blaxploitation, un film de gangster. J'aime le rythme. Avant la mélodie et l'harmonie, c'est le rythme. Je viens du rythme. Mon style de musique est dansant, joyeux. C'est une couche supplémentaire pour la chanson, la couche visuelle. On peut choisir le look de la chanson. On a étiré la chanson. On a filmé tout le clip avec la chanson ralentie. Et j'ai joué lentement pendant tout le clip. Et en repassant à la vitesse normale, ça a créé cet effet bizarre. Je danse parce que ça me fait plaisir. C'est ma vie. Dans le breakdance, on est en dehors de la politique. On déteste les politiciens. On n'aime pas du tout le système en place. J'ai des amis à Tesfad qui sont musulmans et b-boys à la fois. Nous avons une langue unique, la danse. J'emmerde cette vie. Je viens de Russie, d'une ville qui s'appelle Sochi. Le breakdance, ce n'est pas la guerre. Ce ne sont pas les problèmes. C'est de la danse, ça vient du cœur, de la tête et du cœur. Tu vois cette merde ? C'est la rue.
Même pour aller au travail aujourd'hui, les gens cherchent le compromis entre la tenue décontractée et habillée. La tendance ne vient pas seulement des habits des couturiers. Je crois que ça vient plutôt de la rue. J'aime beaucoup la mode de la rue. Encore l'inspiration de la mer pour aller au bord de mer, une sorte de sarouel adapté au climat local, l'habit des Bédouins. Grâce à un lavage très fort, le stonewash, ça donne quelque chose de plus sportif et décontracté. Ça fait quelques années qu'on voit ici la beauté alternative. On n'est pas forcé d'aller vers les mannequins maigres. On peut voir dans nos défilés un éventail de personnes. Il y a des mannequins, mais aussi des femmes de 40, 50 ans, de toutes les tailles. Pendant les 6 dernières années, j'ai travaillé avec une équipe de spectacle. Je faisais des spectacles chaque soir. Et puis, j'ai commencé à enseigner la danse. Puis, je suis devenue chorégraphe. J'ai développé mes idées et formé mon propre groupe. Parfois, on fait des spectacles, dans des fêtes, dans des boîtes, à des mariages, des bar mitzvahs, des fêtes privées. J'ai fait aussi le show pour la mode, pour Nike. On se mélange avec les mannequins et on danse. Nous sommes 4 DJ producteurs de Tel Aviv. On crée des rythmes pour d'autres artistes qui vont chanter dessus. On joue aussi notre musique à des soirées, on la teste sur le public. Un bon DJ doit faire bouger la foule. Les filles surtout. Et puis s'il peut jouer des morceaux qu'ils ne connaissent pas et toujours les faire danser, c'est encore mieux. C'est surtout une question de choisir le bon moment, de comprendre où va la fête. Savoir quand jouer une chanson que les gens connaissent pour continuer à les faire danser. Une fois qu'ils commencent à danser, c'est là que ton boulot commence. Parce que si tu joues des mauvaises chansons, les unes après les autres, tout le monde sait que c'est de ta faute. Yamans, ça veut dire yéménite, à cause de nos origines du Yémen. On essaye d'utiliser des morceaux de vieilles chansons du Yémen parce que tout le monde connaît ces chansons de mariage et d'autres fêtes. Alors on prend un bout de Abba Shimon. Tout le monde le reconnaît et tout le monde est content. Ils se moquent de savoir que c'est du Yémen ou pas. Tout ça grâce à Shai. Shai nous aide beaucoup. Oui, il est comme notre guide. Je vais voir Shai et je lui dis, écoute ça, voilà ce que j'ai fait. Alors il me dit, c'est nul. Change tout. Change it.
En Israël, c'est très difficile de définir ce qui est alternatif parce que tout ce qui n'est pas nécessairement connu de la plupart des gens devient alternatif. Je ne sais pas si on saurait du rock alternatif dans un autre pays. Je ne pense pas qu'on soit underground. Je crois qu'on s'adresse à beaucoup de gens, pas à une niche. Je suis très influencé par la musique grunge et gothique, le rock sombre. Je n'ai pas l'habitude d'expliquer mes paroles, je ne les écris jamais. On ne laisse jamais comprendre au public de quoi l'on parle. On n'est pas politique et pas autre chose en général. Je fais de la trance psychédélique. Et je produis aussi de la techno, de l'électro house. Mais mon truc principal, c'est la trance psychédélique. Les gens accumulent beaucoup de tension pendant la semaine, pour des raisons politiques, ou juste de la vie qu'ils mènent ici, ou de leur mentalité qui est un peu dure. Et quand ils viennent faire la fête, ils ont besoin vraiment de danser, sauter et crier pour laisser aller toute cette tension. J'ai joué une fois au Mexique et une fille est venue me voir après le spectacle et je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. Alors elle m'a dit qu'elle allait appeler la police et leur raconter que je l'avais frappée. J'ai eu tellement peur que j'ai quitté le Mexique le jour même. Je suis né à Tel Aviv. Je suis d'ici. Je ne peux pas le nier. Je souhaite que les gens en dehors d'Israël voient que les gens de Tel Aviv font de la belle musique, qu'il y ait une atmosphère géniale. J'ai rencontré Nika en 2004. J'ai entendu sa voix et j'ai été émerveillé. Une gamme immense de très bas à très haut. Je ne sais pas si une chanteuse comme les autres pourrait faire comme elle. J'ai immédiatement senti un lien entre nous et j'ai voulu qu'elle chante pour moi. J'écris une chanson, je la compose et puis je l'appelle. Alors, j'arrive au studio. Je l'embrasse, je lui fais des câlins et après on commence à travailler. Quand j'avais 5 ans, je n'écoutais que la musique noire. Whitney Houston, Aretha Franklin, Billie Holiday. Et c'est mon style. Je peux chanter beaucoup de choses. Je peux tout chanter. Mais ce que j'aime vraiment, c'est la musique noire. On fait de la musique de divertissement. On ne fait pas de la musique sur la situation. Mais si on parle de ce qu'elle est, de ce genre de politique, c'est en soi une déclaration. Hasard a fait que mon mari a travaillé dans une boîte de consulting américaine et on l'a envoyé en mission en 99. Au fur et à mesure, en fait, on a décidé de rester vivre ici et j'ai toujours photographié Tel Aviv. Je crois que c'est un moyen qui m'a permis, au début quand j'avais pas la langue aussi, de me faire apprivoiser par la ville et d'apprivoiser la ville. Je photographie tout, la rue essentiellement, parce que la rue pour moi c'est
un enseignement, on tire un enseignement extraordinaire. Quand on dit Tarana Merkazit, en fait, tout le monde sait aujourd'hui, l'image de marque, c'est là où les immigrés, les travailleurs immigrés habitent. Le samedi, c'est donc le Shabbat. C'est le deuxième jour du week-end, donc c'est l'équivalent du dimanche en Europe. Et c'est mort, enfin, a priori, les villes, à part les cafés ou la plage. Mais dans ce quartier-là, les petits commerces sont ouverts, les gens sont dehors, puisque, a priori, ces gens-là travaillent la semaine. Et c'est très, donc c'est un quartier très coloré, puis a priori c'est visible, c'est très vite, ce serait l'équivalent de Barbès un peu à Paris. Et donc ce sont des Philippins, des Roumains, des Polonais, il y a des Africains aussi du Kenya, enfin. J'ai fait beaucoup de photos sur la plage de Tel Aviv le vendredi soir. Parce qu'en fait, le vendredi, c'est un jour symbolique, c'est le premier jour du week-end, mais c'est en même temps la fin de la semaine. Il y a un espèce de sentiment de libération. Il y a un poids qui s'apaise. Donc, il y a des gens qui dansent, beaucoup de gens qui fument. Oh,